didn't even get to cross. Yo les gens, c'est G.I. John Doe et on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny. J'espère en attendant pour vous que ça va très bien après une petite année qui la patate. Et donc on est parti pour une petite vidéo tuto et pour aider des gens qui ont ces quêtes et qui ne savent pas comment les faire. J'ai un petit peu farfouiné et j'ai fini par trouver, c'est pas compliqué, faut pas aller chercher bien loin, mais il y en a qui vraiment me demandaient beaucoup aussi, encore une fois, donc je réponds aux demandes en vidéo, comme ça au moins un maximum de personnes est informé. Alors il s'agit tout simplement des deux quêtes, je vais faire les deux quêtes en une vidéo parce que les deux sont reliées. Les deux quêtes, The Taken War Petra et The Taken War Earth, donc en gros, la guerre corrompue Petra et la guerre des corrompus la Terre, voilà, donc... ou Cosmodrome, ça dépend de votre traduction, la traduction française. Voilà, donc tout simplement, les deux missions consistent à, donc pour celle de Petra, ça consiste à faire ramasser 25 éthers, je ne sais plus quoi, ramasser 10 éthers, je ne sais plus quoi, ça, vous le ferez automatiquement, il n'y a même pas à chercher à le faire, vous le ferez de toute façon. Quelle que soit l'activité que vous fassiez, vous les trouverez, ces fragments d'éthers, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là où porte plus le problème, c'est où il faut tuer les deux champions et... l'objet spécial à récupérer sur l'émission de sur les, la, en patrouille au cosmodrome sur le Skywatch, donc le relais cosmique Divide, la division où je suis actuellement, et Rocket Yard, le champ de fusée. Donc il y a tout simplement des événements qui se passent à ces endroits là un peu comme les meutes de loups, sauf que là ce sont des apparitions Taken qui apparaissent environ toutes les 5-6 minutes. C'est vraiment rapide hein, c'est beaucoup plus rapide que les loups, faut pas s'inquiéter là dessus il suffit par exemple que vous changiez de zone entre la division où je suis et le champ de fusée derrière moi. On a à peine changé de zone que ça spawnait à chaque fois hein. Ça spawn vraiment très vite. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Zones sur lesquelles vous avez des spawns taken. Et sur ces spawns taken apparaissent tout simplement des vagues. Il y a une première vague de mobs, basique. Et ensuite, apparaissent trois capitaines, comme celui que je suis en train de défoncer. Apparaissent trois capitaines. Alors ça peut être des capitaines déchus, des capitaines Vex, des capitaines de la ruche ou des capitaines Cabal. Bien sûr, sur la Terre, ce ne sera que deux types de capitaines. Ceux de la ruche et ceux des déchus. Voilà, donc tout simplement, une fois que vous voyez en bas à gauche de votre écran un capitaine déchu ou un... Non, ça ne sera pas écrit comme ça, mais... En gros, un lieutenant est apparu, il faut vite le chercher et le tuer, il faut aller très vite, hein, parce que ça va vite, si vous n'allez pas assez vite, il despawn vraiment, vraiment vite, il faut vraiment se manier, hein. Et avec les armes obsolètes qu'on a, il faut vraiment tout balancer. Donc, tout simplement, vous avez les Taken qui spawnent, premier capitaine spawn, il faut vite lui rusher la tête, le défoncer, et il y en a trois qui vont spawn, il faut tuer les trois le plus vite possible. Si vous attendez trop longtemps, il despawn vraiment très rapidement, je vous mens pas, hein. Le troisième, une fois que le troisième capitaine a spawn, vous avez une minute, et si vous ne voulez pas tuer, il spawn, il despawn, et c'est fini, et vous devez attendre le prochain. Donc, une fois que vous avez tué ces trois capitaines, vous avez réussi la première partie du défi de ce petit événement, et à ce moment-là spawn un plus gros Taken, un petit peu plus méchant celui-là, et c'est un champion, tout simplement. Alors là, vous avez vu juste avant celui de la division, vous avez maintenant celui de Rocket Yard. Celui de la division s'appelle Danur, si je ne dis pas de bêtises, je regarde Darnu, pardon. Celui de Rocket Yard s'appelle Styrock, et celui de Skywatch, donc du relais cosmique, s'appelle Irxori, voilà, c'est un peu compliqué. Et ce sont les trois boss qu'il faut tuer pour la mission de The Taken War, la Terre. C'est cette mission là qui va, c'est en gros en tuant ces trois là que vous allez avoir l'autre mission, et du coup pour en profiter pour faire justement cette première mission de Petra où il vous faut tuer encore une fois le capitaine, vous voyez que je, enfin pas le capitaine, le champion qu'ils appellent ça, que vous devez tuer, et une fois que vous avez tué le deuxième, et ben vous avez déjà réussi les conditions pour remplir la quête de Petra justement qui s'affiche en haut à droite de l'écran, quête sur laquelle il fallait tout simplement tuer deux champions, vous l'avez vu, j'en ai déjà tué deux depuis le début de la vidéo. Et il fallait récupérer un petit objet également, vous l'avez vu, dès mon premier kill sur le champion, vous récupérez un objet. C'est-à-dire que premier kill que vous allez faire sur le premier champion que vous allez faire, du moins moi c'est sur la division, hein. Tous ceux que j'ai vu c'est sur la division, donc commencez bien par la division, ce serait peut-être plus sage. Enfin, ça changera sûrement rien, hein, mais moi pour ma part, tout ce que j'ai vu c'était en commençant la division. Et une fois que vous tuez le champion de la division, en général que vous tuez en premier, le premier champion, quoi, en gros, et ben il vous lâche l'objet, et vous inquiétez pas, c'est automatique. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre objet et vos deux champions, vous avez rempli la quête de Petra, et une fois que vous allez rechercher le troisième champion, vous avez rempli
la quête de la Terre, et vous avez vos deux quêtes de rempli en un coup. Si c'est pas beau, ça, c'est pas, je m'y connais pas. Hein. Voilà, donc j'ai bien mis pris soin de vous mettre le dernier combat en entier parce que pour moi c'est le boss le plus chaud des trois. Ixori, je crois, il s'appelle. C'est le boss déchu, le Cal. Celui-là, il déconne pas, hein. Il est très violent, il fait très mal, il a des attaques de mêlée de très longue portée, et il vous éblouit tout le temps. Là, vous voyez par exemple, là, il m'a tué avec une attaque de mêlée, hein, cette distance. Il vous éblouit tout le temps, il a un bon shrapnel qui fait mal au cul. Voilà, donc prenez bien soin d'être 3 quand vous faites ces missions, parce que ça ne marche qu'en escouade. Donc il faut être 2 minimum, mais je vous conseille d'être 3, parce que c'est plus simple quand même, hein. Les boss ont quand même pas mal de vie, il faut aller très vite. Donc je vous conseille d'être 3 pour faire ces missions. Et tout simplement, il n'y aura pas de problème pour vos quêtes. Voilà, donc je vous ferai un petit tuto également pour faire les chronochars sur Vénus pour tuer les gobelins Taken, là, les gobelins corrompus, parce qu'on m'a demandé aussi, enfin les Vex corrompus. Voilà. Et en attendant, moi je vous dis tout simplement à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.